content que tu aies réussi. Comment était Aïda alors? On a dû se contenter de notre nouveau modèle de chez Bleu Corporation. Il m'a fallu plus de 4 heures pour arriver jusqu'ici, Peter. Le trafic est légèrement bouchonné en ce moment. Attendez. Je reconnais ce bruit. Winston, qu'est-ce que tu vois dehors? C'est gros, moelleux et blanc. Et ça ne va pas vous plaire. Non, c'est impossible. Pas ici, pas maintenant, pas encore. Moi cette fois, juré. Attention, la grosse chante. Quelle enfer, c'est tellement trop. On dirait une chanteuse d'opéra et une de poids. Peter, c'est un boulot pour toi. C'est supposé vouloir dire quoi? Je suis un chasseur potelé. Je sors avec une fille potelée en blind date. J'aime bien sa personnalité, et vous autres, vous voulez pas me lâcher. Je suis à tes côtés. Bien joué, Flambette. Times Square, après sa rénovation, il brille de propreté. Oh, j'adore. Dites, c'est le gars? Il est difficile à manger. Négoce, on est prêt de le piéger ou pas du tout? Bien plus proche que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose. Il recherche quelque chose ou quelqu'un? Alors si vous en savez autant sur Gozer, c'est parce que? Parce que je suis spécialiste des cultures et de l'architecture mésopotamienne, de la culture sumérienne et gozérienne plus précisément. Je suis ici comme commissaire invité pour l'exposition gozérienne qui ouvre demain au musée d'histoire naturelle. Vous savez qu'on a eu aussi affaire à Gozer? Oui, bien sûr. Gozer n'était qu'un petit joueur avant de nous rencontrer. C'est nous qui l'avons lancé. Mais nos invitations pour l'inauguration se sont perdues, c'est ça? Ou bien c'est juste une erreur? Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ça, chers messieurs, c'est moi. Et je peux vous assurer que ce n'était pas une erreur. Ah, au fait, vous avez de la visite. Merci, Janine. Vous êtes vraiment indispensable. Walter Peck. Je dois dire que je ne vous avais pas reconnu sans les bottes du maire au bout de la langue. Ok, calmons-nous. Du calme, Peck. Vous pouvez commencer votre enquête, mais pour l'instant, contentez-vous de les surveiller et de me tenir informé. Et n'oubliez pas, si SOS Fantôme disparaît, votre poste aussi. Vous avez besoin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, n'est-ce pas? Enfin, Mulligan. C'est monsieur le maire pour vous, Venkman. Est-ce qu'on s'est bien compris? On est tous gagnants. Vous voulez travailler pour le gouvernement? Je veux garder mes électeurs. Et Peck veut jouer les petits chefs. C'est aussi simple que ça. Chacun obtient ce qu'il veut. Et le conseil municipal est content. Parfait, une dure soirée vous attend, Elissa. Allez vous reposer. Bien. Maintenant que nous sommes tous amis, on peut avoir des invitations pour l'inauguration au musée? Je ne crois pas, non. Mais on se reverra bientôt. Vous pouvez compter là-dessus. Voilà plein de... machins. Tu es impur, le bleu. Hé, les gars, vous avez trouvé Elissa?
Où est allé ce fantôme? Vous ne l'avez pas vu? Mais il vient de passer. Il doit être en train de retourner vers l'exposition sur Gozer. Un autre jouet. Bougez-le. Merci. Ce n'est pas ce qu'un héros veut entendre quand il sauve une demoiselle en détresse. Vous savez, vous êtes plus belle quand vos yeux ne sont pas rouges. Peter, je viens de découvrir quelque chose de terrifiant. Mais pourquoi vous ne partez pas? Toutes mes données indiquent que le monde des fantômes est en train de pénétrer dans notre dimension à travers plusieurs portes. Encore des heures sup. Les gars, regardez! Maintenant, elle crie mon nom. Bloquez les issues! Ne laissez pas s'enfuir avec elle! Recouvrez-le de slime! Winston, fait sortir la dame d'ici avant qu'il ne s'en prenne à nouveau à elle. Visez le gros œil jaune! Qui ne voudrait pas avoir ce super pouvoir? Quelqu'un peut me dire pourquoi ma bibliothèque, mon musée, ma parade partent à volo? Je n'arrête pas de vous le dire, monsieur. SOS Fantôme n'est qu'un ramassis de crétins qui font tout pour ternir votre image et celle de la ville. Et vous extorquer plus d'argent. Bonjour, Peck. Ce costume est à moi. Vous deux, la ferme! Monsieur le maire, quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Quelque chose a déclenché un événement psychique systématisé au musée. Une sorte de mécanisme dont la nature nous est inconnue. Non, bien sûr que non. Mais qui absorbe une immense quantité d'énergie. Ça nourrit quelque chose qui tente de briser les murs entre notre monde et un autre. L'autre monde est en train d'entrer dans le nôtre. Ça a commencé par de simples fantômes et quelques monstres. Et les choses empirent. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais il ne peut y avoir qu'une ville dans cette dimension. Deux mondes physiques ne peuvent pas coexister dans une même dimension. C'est une simple question de physique des particules. Nous avons eu un aperçu de l'autre monde. Et c'est pas joli à voir. C'est un mélange entre Brooklyn et le Bronx. De quartiers entiers sombrant dans les abysses de la cinquième dimension. Des cafards grands comme des poneys. La terreur dans les rues. Ça te plairait que le discours vienne au bout du jour. Plus fort que jamais. J'ai compris, on va avoir des ennuis. Que suis-je censé faire alors? Nous devons préparer la ville au pire. Cette ville est sous ma responsabilité, pas la vôtre. Alors faites votre travail et arrêtez ce truc. Ton psychotensiomètre est tout agité. Regarde avec tes lunettes autour de toi s'il n'y a pas quelque chose. Par là, monsieur. Eh bien, c'est tentant. Je serai au bureau pour garder l'œil sur Elissa. Ne faites rien de marrant sans moi. Un autre jouet. Bougez-le. Merci. Ce n'est pas ce qu'un héros veut entendre quand il sauve une demoiselle en détresse. Vous savez, vous êtes plus belle quand vos yeux ne sont pas rouges. Peter, je viens de découvrir quelque chose de terrifiant. Mais pourquoi vous ne partez pas? Toutes mes données indiquent que le monde des fantômes est en train de pénétrer dans notre dimension à travers plusieurs portes.
Encore des heures sup. Les gars, regardez! Pac-Man! Au secours! Maintenant, elle crie mon nom. Bloquez les issues! Ne laissez pas s'enfuir avec elle! Recouvrez-le de slime! Winston, fait sortir la dame d'ici avant qu'il ne s'en prenne à nouveau à elle. Visez le gros œil jaune! Qui ne voudrait pas avoir ce super pouvoir? C'en est trop! J'aurais dû en finir une bonne fois pour toutes avec vous! Vous savez quoi? Je vais mettre un terme à toute cette folie, maintenant! Tout de suite! J'éteins votre unité de confinement pour de bon! Vous pouvez dire adieu à votre licence ainsi qu'à l'ensemble de vos contrats avec l'État! Vous m'avez fait du tout! Et vous allez le payer! De rien, Peck! Parfait! Vous êtes finis, bande de petits rigolos! C'est moi qui ai le pouvoir ici! Et je décide que vous et votre unité de confinement, c'est terminé! Maintenant! La ville entière va devoir payer pour vos singeries! La ville entière! Quoi? Mais c'est fini pour toi aussi, alors? Eh bien qu'il en soit ainsi! J'ai d'autres chats à fouetter! Et dites-lui de me lâcher! Il faut le garder à l'œil. Tu crois? Non, je veux dire, il faut vraiment le garder à l'œil. Vous voulez dire que c'est ma faute? Non, bien sûr que non. Ce que Aegon voulait dire, c'est que vous avez une sorte de lien avec cette chose et qu'on doit retourner au Sedgwick pour en savoir plus. C'est bien ça, Crâne d'œuf? Tout à fait, Peter. Ilissa, vous vous rappelez où vous alliez quand vous étiez au Sedgwick? J'étais devant une chambre, la 1221. Quelque chose me poussait à entrer, mais je me suis réveillée juste avant que la porte s'ouvre. Je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Et là, un idiot a essayé de me draguer devant l'ascenseur. Très bien. Restez en sécurité ici, où vous ne risquez pas de déclencher d'autres failles dimensionnelles. Continuez vos recherches sur le mandala pendant que les autres vont faire un tour au Sedgwick. Les autres? Et toi alors, la star? Je vais vous demander de me déposer près du bureau de Peck. Quelque chose me dit qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Bonne idée. Retrouve-nous à l'hôtel quand tu as fini. Fermé jusqu'à nouvel ordre par le comité de surveillance des activités paranormales. Peck. Entrer dans ce bâtiment est strictement interdit et est passible de poursuites et d'emprisonnement. Que fait-on? Mais ça concerne le grand public. Ça ne s'applique pas à nous. On a signé un contrat avec la ville. Surtout les chasseurs de fantômes. Faites chauffer les packs. On va s'ouvrir un chemin. Un instant. J'ai une meilleure idée. Bien vu. Du mandala. Hey, Winston, vous me recevez? Aegon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? La recrue a trouvé le 13e étage et on l'a condamné. Les données du psychotensiomètre sont à nouveau normales. Le nœud du mandala est totalement neutralisé. Ok. Où est-ce que tu es? On est retourné au 12e étage, mais il n'y avait rien. Tout a l'air plutôt normal. On est de retour dans la salle de bal Ruby. On se retrouve à l'Ecto 1. Dis-moi, Aegon, pourquoi est-ce qu'on va comme ça sans but d'embrouillard? C'est le dernier nœud, Veckman. Ferme-le et on scelle le mandala. Les fantômes seront piégés à l'intérieur.
Désolé de te décevoir, Egon, mais je ne vois pas de... Voilà. Tu disais ? L'île de Chandor, elle est là. Je vais devoir vous larguer ici et faire un tour. C'est trop instable. Si l'ectovite coule, nous coulons. Ray, tu voulais tellement aller sur l'île fantôme. Pourquoi c'est pas moi qui m'occupe du bateau ? J'essaie d'être gentil et je n'ai droit qu'à des regards suspicieux. Arrête ça tout de suite. Allons-y. Rien de tel que foncer tête baissée vers sa propre mort pour passer une excellente fin de soirée.